Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci dans un étang qu'on n'a jamais pêché. Donc un assez grand étang de 5 hectares. Donc Alexandre, explique-nous comment on a procédé pour cette pêche. Alors donc bonjour tout le monde. Donc c'est un plan d'eau assez particulier parce que sur ce plan d'eau en fait il y a du ski nautique. Donc l'été la pêche est presque impraticable, en tout cas pour nous carpistes. Nous avons donc choisi de placer les cannes sur des zones de gravier. En bordure aussi, puisqu'il y a beaucoup d'arbres immergés, beaucoup de souches, ce qui rend aussi la pêche très compliquée, mais aussi qui peut la rendre exceptionnelle. Hein. Souvent les poissons, cette période-là même hivernale, sont souvent dans ces arbres morts immergés. Là comme Mathieu il a mis une canne dedans, et on a vu ce matin, à peine amorcé, on a eu deux sauts directement après. Alors donc, on a aussi choisi donc voilà, les hauts fonds, tout ce qui est taches de gravier, tout ce qui est cassure, avec un bel amorçage donc au maïs. Et à la bille, voilà. Puis on pêche avec les billes et feu billets de fraîche comme d'habitude. Il n'y a plus qu'à, on espère faire du poisson, puis on vous redit. On vous redit. Voilà, premier poisson là, après il doit être 15h30, voilà. Seulement après 4-5 heures de pêche déjà. Déjà un poisson sur la canne qui était placée en bordure à côté des arbres morts. Gros départ, on arrive en courant, arrivé au bord, vraiment une belle petite miroir de 6,5 kg qui fait bien plaisir pour commencer la session. Donc prise avec une fruity cream et une pop-up violette, voilà, une technique qui marche assez bien. Et qui fait ses preuves aujourd'hui. Allez, on va prendre quelques photos puis on va la mettre à l'eau. Yes!
suite à un départ, on est une casse. Dans un arbre mort, en fait, elle s'est mise là, vu qu'on pêche de travers, en fait, sur notre bordure. Du coup, là, on a décidé de mettre un piquet et puis mettre le son à fond, comme ça, si on entend. Donc, j'utilise une bille en test avec une pop-up blanche.